Cédric Canavaro on the beat. Mon parrain. Il s'appelle Soumbili. Pour l'histoire de cette chanson, vous ne savez pas, mais il a été à la direction artistique. Tout ce que vous voyez là, depuis le début, comme on a mis pied, il a dit non, ici il a joué comme ça. Attendez, quand on a commencé la chanson là, le vieux père était à la direction artistique. Avant de commencer la chanson, il a appelé, il a dit, ah le vieux, comment on fait la chanson là? Il dit, bon, rendez-vous le soir au studio. On s'est donné rendez-vous à 20h et puis on est parti. Arrivé là-bas, on a cherché la rythmique, il a dit, Cédric, faut faire ça comme ça, faut faire ça comme ça, faire ça comme ça. Et ça a donné, tout peut arriver. Voilà, le vieux est là. Je suis très 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 heureux du résultat. Je vais vous parler un peu. Je suis très heureux du résultat en tout cas. Ouais. Après, moi je suis parti, j'ai fait confiance au génie de Cédric et de l'unique et puis ça a donné ça. Voilà, vraiment voilà, le vieux. Quoi. En tout cas, simplement, c'est lourd. Voilà. Bravo, bravo. Merci bravo, le père, bravo, merci bravo. Beaucoup. Bravo, merci beaucoup. Validé. Ah, quand le vieux père même là, quand le king du Zouglou même a validé, qui peut parler encore entre nous? Toi tu fais chanson, et puis Zumbi il dit que c'est zéro faute. Et il dit que chanson là c'est doux. Ah, toi aussi. Donc, Zumbi il dit que chanson là c'est doux. Lui-même il est fan de ça. Donc c'est qui a venu dire encore que non, chanson là c'est quoi? Non les gars, vous aussi. 1 million de vues dans 2 jours seulement. Le choix.